ce monstre du cinéma et ou géant de la science et tous ceux qui nous écoutent et qui se disent qu'avoir un troisième bras, parfois, ce serait pas mal pour pouvoir tout faire. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Godzilla de Roland Emmerich et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux appréhender le nucléaire. Pour cela, nous allons voir comment fonctionnent les radiations et leur impact, comment la panique et la méconnaissance engendrent des réactions catastrophiques et comment il est important que les citoyens, vous, nous, moi, doivent se réapproprier les outils pour être plus décisionnaires. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Christian Simon, chercheur et enseignant au Master Ingénierie pour le nucléaire à Sorbonne Université. Bonjour Christian. Bonjour. C'est pas croyable. Ce truc n'est qu'à 400 km de la côte est des États-Unis et personne ne sait ce que c'est. Un théropoda, Allosaurus. Quoi ? C'est une espèce d'énorme reptile, mais depuis le Crétacé, on le croyait disparu. Où il a bien pu se cacher pendant 60 millions d'années ? Et n'oubliez pas les traces de radiation. Ce n'est ni une erreur, ni une anomalie. C'est l'explication. Cet animal est beaucoup trop grand pour n'être qu'un dinosaure ressuscité. Ce que ce n'est pas, je m'en cogne. Dites-moi plutôt ce que c'est que cette saleté. Bon, qu'est-ce que nous savons de lui ? On l'a d'abord observé dans le Pacifique, près de la Polynésie française, ok ? Une région régulièrement exposée à des douzaines d'essais nucléaires depuis une bonne trentaine d'années. Ce qui explique les radiations ? Non, plus que ça. Il est possible que ce soit une mutation aberrante. Un être hybride engendré par les retombées nucléaires sur ces îles. Comme vos petits vers de terre ? Oui, oui. Je crois que nous sommes en présence d'un précurseur. Nous sommes à l'aube d'une espèce nouvelle. C'est le premier du genre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Godzilla. Le film de Roland Emmerich sort en 1998 et le remake du film de 1954 d'Ichiro Honda qui a lancé les Kaiju Eiga. Je vous encourage à regarder, c'est des gros monstres. Cette fois, c'est à la suite d'essais atomiques français qu'un lézard ayant muté s'approche de New York, laissant derrière lui les traces de la destruction. Le biologiste Nick, incarné par Matthew Broderick, est chargé d'en savoir plus sur lui, tandis que l'agent secret français Philippe Rocher, joué par l'inénarrable Jean Reno, veut le détruire pour rectifier le tir de la France. Mais clairement, ni l'un ni l'autre ne sont prêts pour ce qu'ils vont affronter. Est-ce que vous avez vu le film, Christian ? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois ? Alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un excellent film. Excellent ! Parce qu'il n'a pas toujours de très bonne réputation, hein, ce Godzilla. Ah mais... non, je trouve qu'on s'ennuie pas du tout. Qu'est-ce que vous en tirez comme plaisir de ce genre de blockbuster ? Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que les personnages... Sont vraiment complètement différents des archétypes qu'on a d'habitude dans les films catastrophes. Ah oui ? Je trouve que les personnages qui sont représentés sont tous sympathiques, ils sont tous adorables. Pour ce côté-là, déjà, je trouve que le film est assez unique dans la catégorie film catastrophe. Et puis, dans ce film aussi, ce qui est formidable, c'est les effets spéciaux, c'est la terreur partout où le monstre passe. Et puis, c'est finalement la mise en scène de la radioactivité qui est plus qu'un prétexte, je trouve, dans ce film. On va en parler un petit peu de cette radioactivité. Comme je disais dans le résumé, c'est la faute d'essais nucléaires français. Ouais, voilà, la France est blâmée dans cette histoire, mais en même temps, il faut bien qu'on prenne notre lot aussi, que Godzilla ait créé un lézard qui aurait muté à cause d'essais nucléaires français. Alors déjà, juste une question, est-ce que c'est possible qu'un lézard mute de cette manière-là à cause du nucléaire ? Alors non, on n'a jamais vu ça. C'est décevant. Pourtant, on a fait un tas de trucs assez blâmables avec la radioactivité dans les années 45-50, quand on a commencé à essayer de comprendre quels étaient les effets de la radioactivité. On a fait beaucoup d'expériences. C'était le début de la guerre froide. Les conditions étaient radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Et tout un tas de choses qui ont été faites font frémir tout le monde aujourd'hui. Mais à l'époque, ça s'expliquait dans le contexte d'une confrontation possible entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et il fallait donc absolument comprendre quels pouvaient être les effets de la radioactivité sur les organismes vivants, d'abord pour pouvoir s'en protéger. Donc on a essayé plein de choses et on n'a jamais vu de mutants de ce genre-là. En revanche, la radioactivité a bel et bien pour effet d'être mutagène. Ça se voit sur des lignées de cellules
sur des bactéries, ça se voit sur certaines plantes, mais sur des êtres vivants de grande taille, à ma connaissance, on n'a jamais vu de mutants liés à une exposition intense à la radioactivité, et a fortiori pas de mutants dans le sens d'un gigantisme qui serait provoqué par une irradiation prolongée. Oui, voilà, de la taille d'un moins d'un immeuble, hein, dans le cas voilà, de, dans le, dans largement, le film, largement un immeuble. Voilà. Bon, il aurait du mal à se déplacer, ce grand bonhomme, quand même. Mais aussi pas de mutants viables aussi, c'est-à-dire que ça exactement. Ne reste pas en vie. Souvent. Exactement. C'est même... D'ailleurs, le deuxième effet que l'on connaît de la radioactivité, en particulier sur les êtres humains, c'est que la radioactivité produisant des dégâts au niveau de l'ADN, c'est aussi facteur de cancer. C'est-à-dire que pour un être humain qui aurait été exposé de manière intense à du rayonnement radioactif, eh bien, la probabilité de développer un cancer est augmentée. Et c'est bien le même mécanisme au départ de... bouleversement de l'ADN par le rayonnement qui est à l'œuvre que dans la mutagénèse. C'est les mêmes causes, finalement, au niveau atomique. Alors, il y a deux termes, nucléaire et radioactivité. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez déjà me les séparer pour que j'arrête de dire des bêtises? Alors, la radioactivité, c'est un phénomène naturel qui se produit lorsque certains noyaux d'éléments très particuliers sont instables. À l'état naturel, on a beaucoup de noyaux qui sont radioactifs. Le plus banal d'entre eux, c'est le carbone 14. Oui. Dont tout le monde a entendu parler. Pour dater. Qui sert à dater. Notamment les dinosaures. Exactement. Ou autre. Et pourquoi est-ce qu'il sert à dater? Parce que comme il se désintègre avec le temps, spontanément, eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, il y en a de moins en moins. Donc, comme on peut l'identifier, eh bien, ça sert de marqueur. Le carbone 14 étant absorbé par les êtres vivants au moment de leur croissance. On capte le carbone 14 dans l'environnement et puis une fois que nous sommes morts, eh ben, le carbone 14 que nous avons dans le corps se désintègre et sa quantité diminue. Et donc ça permet de dater le moment où vous êtes mort. D'accord. Et donc ça, c'est la radioactivité. Ça, c'est la radioactivité. C'est le fait que des noyaux, le carbone 14 ou d'autres, sont instables. D'accord. En revanche, il va y avoir aussi une radioactivité artificielle qui va être une radioactivité provoquée par des réactions qu'on va faire en envoyant des particules sur certains atomes. C'est par exemple ce qu'on fait pour produire de l'énergie nucléaire. On envoie un neutron, qui est une particule élémentaire, sur un noyau d'uranium 235. Et ce noyau d'uranium 235, qui est naturellement radioactif, va pour l'occasion se casser en deux ou trois fragments, libérer de l'énergie, réémettre des neutrons qui vont à leur tour aller casser d'autres noyaux d'uranium, et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne, exactement. Et donc le nucléaire, c'est ça. Et ce qu'on appelle l'énergie nucléaire, c'est la maîtrise et la mise en œuvre pour des fins pacifiques de cette réaction en chaîne qui permet de dégager énormément d'énergie par quantité de matière mise en jeu, bien plus que les énergies fossiles. On a à peu près un facteur de 100 millions entre la densité d'énergie d'un atome d'uranium et la destruction d'une molécule d'énergie fossile. Oui, donc c'est pour donc ça c'est, que... Donc c'est considérable. C'est pour ça qu'on mise beaucoup régulièrement sur le nucléaire pour l'énergie. Absolument. Assez régulièrement. Mais c'est une technologie qui n'est pas toujours évidente à maîtriser. Ça peut dégénérer comme toute forme d'énergie concentrée, que ce soit... un stock d'hydrocarbures ou un barrage, quand ça craque, les dégâts sont considérables. Et à partir de quel moment, quel niveau de radiation, c'est très dangereux pour l'humain? Il y a deux réponses. Je pense qu'il faut essayer de distinguer le court terme et le long terme. Les effets mutagènes et cancérogènes sont des effets de long terme. Il y a des gens qui ont reçu des expositions très intenses, qui ont des effets immédiats, qui sont très désagréables, qui, dans certains cas, sont mortels. Oui, c'est le cas de le dire dans ce cas-là, c'est désagréable. Oui. Mais on peut avoir juste des effets de brûlure. On va avoir des gens qui vont avoir des brûlures et des nausées. On va avoir, peut-être sur certains tissus, une nécrose, comme une brûlure très approfondie. Et pourtant, ces gens qui ont eu ces expositions très intenses et ces effets à court terme, un certain nombre vont survivre. Et ne vont pas forcément développer par la suite les effets de long terme. Alors c'est des doses, on parle de doses extrêmement massives, là on parle... Alors pour les doses quelques grays, on va avoir des effets aigus
immédiat, très important. Et pratiquement, au-delà de 6 à 8 grays, pratiquement une personne sur deux en meurt. En revanche, pour des doses beaucoup plus faibles, on va avoir des apparitions d'effets de long terme qui vont passer complètement inaperçus puisqu'on n'a pas les effets aigus. En fait, les brûlures et tous les effets de court terme s'apparentent finalement à un énorme coup de soleil. Gros coup de soleil, ouais. C'est en fait le même mécanisme immédiat de destruction des cellules. Tandis que sur les effets de long terme, on est sur l'endommagement de l'ADN, la cellule gardant son intégrité. Ce que vous parliez au début, c'est-à-dire des exactement. qu'elle mute cette ADN. C'est là que ça peut devenir soit mutagène, ou, si la cellule va se reproduire, ou alors ça va avoir un effet cancérigène. Donc ça, c'est un peu ce qu'on craint en permanence du nucléaire aussi, enfin, en tout cas de la radioactivité. Oui. Et en fait, c'est vrai, quand on dit radioactivité, il y a un effet de stress, il y a un effet de panique chez les gens. Et d'ailleurs, si on regarde le film, Godzilla, ce monstre, ce énorme, ce lézard énorme créé par cette activité nucléaire, il crée la panique, littéralement. Bon, en même temps, c'est un monstre géant qui débarque dans une ville, on comprend qu'il y a une légère panique qui se met en place. Mais il incarne cette panique face au nucléaire. D'ailleurs, le Godzilla d'origine, en 1954, d'Ichiro Honda, il avait été créé lui-même en réaction au traumatisme, notamment des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Et je crois pas seulement, d'ailleurs, ces événements-là. Pas seulement. Effectivement, le film de 1954 a été, je crois, tourné en septembre-octobre, alors qu'en mars 1954, s'était produit un incident au voisinage d'un essai nucléaire américain dans le Pacifique, et les retombées atmosphériques de radioactivité dues à cet essai nucléaire auraient dû être confinées à une certaine zone, mais il y a eu des pêcheurs japonais qui ont été irradiés à cette occasion et qui sont revenus tout à fait en panique au Japon, plusieurs d'entre eux ayant déclenché des symptômes aigus et plusieurs en mourront. Une résurgence du traumatisme de 45. Ce que vous me disiez aussi, c'est qu'en fait, cette panique, elle est régulièrement plus dangereuse, finalement, que parfois la radioactivité elle-même. C'est-à-dire que la radioactivité, c'est dangereux, mais l'effet de panique peut créer des problématiques encore plus grandes, techniquement. Et vous pouvez en parler particulièrement, je me permets de préciser, puisque vous avez été, si je ne dis pas de bêtises, chargé de mission de sûreté nucléaire, déchets radioactifs, métaux stratégiques, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à un moment très précis de notre histoire récente. Effectivement, j'ai occupé ces fonctions-là pendant 3 ans, et j'ai pris mes fonctions juste en janvier 2011, très peu de temps avant Fukushima. Voilà. Et en réalité, effectivement, la catastrophe de Fukushima, c'est pas juste l'explosion de 3 réacteurs nucléaires. La catastrophe de Fukushima s'inscrit dans le contexte d'une énorme catastrophe naturelle, avec le grand tremblement de terre de Tohoku, comme on l'appelle, qui a causé un tsunami qu'on n'avait jamais vu de mémoire de japonais. Et ce tsunami et ce tremblement de terre ont causé 14 000 morts. C'est ça le contexte de la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui est une sous-catastrophe de la catastrophe. C'est une conséquence du tremblement de terre. Et c'est une catastrophe dans la catastrophe. Mais c'est vrai qu'au Fukushima, quand on prononce ce nom, les gens se renvoient tout de suite à, évidemment, à la catastrophe nucléaire. Parce qu'on l'a vu en direct à la télévision, on a vu plein d'images. Et puis, il y a ce côté sournois, invisible, que l'on suspecte, puisque la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas, elle n'a pas de goût, pas d'odeur. Vous allez me dire, c'est le cas pour énormément de substances toxiques aussi. De ce point de vue-là, la radioactivité n'a pas l'exclusive. Mais la radioactivité est passée au second plan dans un premier temps, parce que le gouvernement japonais avait à gérer des milliers d'incendies, des villes entières qui avaient été rasées, comme Sendai, des centaines de milliers de personnes sans abri. Et donc, la gestion de la catastrophe nucléaire, c'était, je ne vais pas dire que c'était un détail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a occupé beaucoup l'attention à l'étranger, parce que c'était ce qu'on voyait le plus de loin, j'ai envie de dire. Mais le gouvernement japonais avait à faire face à énormément de défis en même temps.
Parce que les décisions qui avaient été prises à l'époque, c'était assez radical. Alors, il y a eu des décisions d'évacuation qui étaient tout à fait justifiées, j'allais dire, dans le contexte de l'explosion du réacteur, c'est évident. On sait qu'il va y avoir des retombées radioactives. On ne sait pas encore forcément où, parce que tant que les éléments radioactifs qui ont été expulsés par le réacteur sont en suspension dans l'air, ils peuvent retomber, peut-être dans l'océan, peut-être à terre, peut-être dans des zones habitées, peut-être dans des zones pas habitées. Donc on évacue largement, et c'est ça la bonne solution. En revanche, une fois qu'il a plu, et qu'on sait où les retombées se sont faites, les Japonais ont décidé, comme ils le font à beaucoup d'occasions, d'être absolument impeccables, intraitables, et de revenir à l'état antérieur du sol. Et donc ils ont commencé à dépolluer le sol en profondeur, à vouloir décontaminer en profondeur, et ça prend du temps. Et au lieu de permettre une réintégration à moyen terme de la population, on a tout de suite eu l'impression que les populations étaient parties et qu'elles étaient parties pour de bon. Ça, c'est la première chose qui probablement n'a pas été gérée tout à fait comme il fallait. Mais là aussi, c'est compliqué parce que le consensus scientifique international sur la gestion des accidents n'est pas si absolu que ça. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est des mesures qui ont été prises qui n'avaient pas forcément de justification scientifique, comme par exemple la façon dont on a éliminé des biens agricoles qui avaient été contaminés ou très peu contaminés, mais pour lesquels, finalement, on aurait pu soit prendre le temps de réfléchir à ce qu'on en fait, est-ce qu'on dommage les par exemple, les éleveurs, il y a eu des nombreux troupeaux de vaches laitières qui ont été abattus. Pourtant, la contamination du lait était extrêmement faible. La conséquence immédiate, ça a été que les éleveurs qui étaient ainsi stigmatisés par la destruction de leur production, la destruction de leurs troupeaux, et surtout laissés dans l'incertitude la plus totale sur leur avenir, eh bien, on a eu une vague de suicides, avec donc des victimes réelles de l'accident nucléaire qui ne sont pas des victimes de la radioactivité. Et c'est là, je crois, qu'on a aujourd'hui du recul grâce à Fukushima. C'est qu'on a donc eu les 14 000 victimes de la catastrophe primaire. On a évacué les gens qui étaient dans le voisinage immédiat de la centrale. Et donc, parmi ces gens-là, puisqu'on les a évacués à temps, il y a effectivement zéro personne qui ont été contaminées, ou très peu, et les gens ont été suivis. Et on sait très bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de surcroît de cancer lié à cela. Mais en revanche, parmi les gens évacués, on sait qu'il y a maintenant 1500 décès prématurés, qui sont liés soit à la destruction d'un patrimoine pour des gens qui se sont retrouvés ruinés, soit des familles qui ont été disloquées par l'évacuation, soit des gens qui ont, par exemple, des personnes âgées pour lesquelles il y a eu une rupture de la chaîne de soins. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a des victimes réelles de l'évacuation. Et donc, à partir du moment où il y a plus de victimes de l'évacuation que de la radioactivité, c'est probablement qu'on évacue un peu trop. Peut-être qu'on devrait envisager de réintégrer plus vite les gens, ou peut-être de moins évacuer sur le coup, ou peut-être de permettre aux gens, en tout cas, d'avoir une meilleure connaissance de la radioactivité, peut-être de mieux participer aux prises de décision, et peut-être d'avoir le droit eux-mêmes de choisir s'ils veulent rester ou pas, en fonction, par exemple, en fonction de leur âge. Vous avez réussi à faire rentrer tout ça dans le pays? Eh, c'est l'Amérique, le pays où tout s'achète. Et pourquoi c'est tellement secret? Pourquoi est-ce que vous ne bossez pas avec l'armée américaine? Je n'ai pas la permission d'aborder ce genre de sujet. Vous avez dit que vous vouliez ma confiance. Moi, j'ai besoin de la vôtre. Je suis un patriote. J'aime mon pays. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr. Et moi, mon boulot, c'est de protéger mon pays. Il m'arrive parfois de devoir le protéger de lui-même, des erreurs qu'il a pu commettre. Erreurs qu'on préférerait que le monde n'apprenne pas. Vous voulez parler des essais nucléaires du Pacifique? Oui. Les essais nucléaires de mon pays ont fait des dégâts effroyables. Et on est là pour faire le ménage.
Là, on voit aussi dans le film le personnage justement de Philippe Rocher qui est là, qui incarne, c'est un agent des services secrets, il incarne quelque chose du gouvernement français, en tout cas d'une certaine autorité, et il est là pour venir couvrir un petit peu les dégâts, quoi, essayer de corriger encore le tir, comme je l'ai dit. Mais la réalité, c'est que c'est souvent ça. Toutes les décisions prises vis-à-vis du nucléaire sont prises que unilatéralement par le gouvernement. Finalement, le grand public, il n'est pas très consulté sur ce sujet-là. Et je crois que, notamment, vous avez créé Open Radiation, en tout cas, vous avez contribué à Open Radiation, qui permet que le grand public, justement, puisse s'intéresser à ces radiations et les observer eux-mêmes et discuter entre eux. Oui, absolument. Open Radiation, c'est un projet que nous avons lancé avec plusieurs autres organisations. Il y a donc Sorbonne Université, mais il y a aussi l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Il y a une association d'éducation populaire qui s'appelle Planète Science. Il y a l'Institut français de formation au risque majeur. Et puis, nous avons été rejoints récemment par l'Association nationale des commissions locales d'information, qui est un dispositif dont éventuellement on reparlera après, qui est prévu par la loi, justement pour informer les citoyens sur les installations nucléaires. Et donc, toutes ces organisations-là, ensemble, on a monté un consortium dont l'objet est de mettre à disposition des citoyens des moyens de mesure de la radioactivité dans l'environnement pour faire de la vulgarisation, pour faire donc de l'éducation, de la préparation éventuellement à la crise, parce que prendre conscience des ordres de grandeur, savoir faire une mesure correcte et pas juste mesurer un nombre aléatoire, ça s'apprend, ça demande un petit peu de répétition, et puis les instruments ne sont pas... il faut les préparer, il faut les construire à l'avance, on ne peut pas juste les faire en panique au moment où la catastrophe survient, donc il faut les déployer avant. Donc tout ça se fait longtemps à l'avance, et donc l'idée c'est que aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus dissimuler quoi que ce soit. Tchernobyl, c'est quand même avant Internet. Avant Internet. Internet existait déjà comme réseau de communication, mais ça n'existait pas. Enfin, le web n'existait pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, les informations circulent très vite. Et le mouvement qui avait commencé dans les années 90 de logiciels libres, d'open source, est passé du logiciel au matériel. Et aujourd'hui, on a les moyens de faire des instruments scientifiques open source, open hardware, on dit parfois. Ça, c'est tout un langage que je ne maîtrise pas. Donc, c'est pour dire que les schémas sont publiés sur Internet, que tout le monde peut recopier ces schémas, qu'ils sont libres de droit. Et de fait, le compteur GEGER, qui permet de mesurer la radioactivité, que nous avons conçu dans le cadre de Open Radiation, est disponible sur Internet si vous voulez le faire par vos propres moyens. C'est tout à fait faisable. Il est conçu pour être simple et facilement reproductible, y compris quand on n'est pas électronicien, d'ailleurs. Oui, ce que j'allais dire, voilà, si on est à un niveau proche du zéro en techno à l'école, on peut quand même s'en sortir. Oui, on peut, à condition de se faire un peu accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir des infrastructures qui existent pour ça, qui sont ce qu'on appelle les Fab Labs, les laboratoires de fabrication, qui sont des ateliers souvent associatifs, parfois académiques. Et ça, les Fab Labs, là, vous êtes le directeur notamment du Fab Lab qui est à Jussieu, Sorbonne Université. Oui. Ce Fab Lab, il est réservé aux personnes qui sont à l'université ou n'importe qui, moi, je pourrais y aller, par exemple. Alors, aujourd'hui, nous avons essentiellement des étudiants, des chercheurs et des personnels de l'université, quelques entreprises avec lesquelles nous avons des conventions. Et puis, on est en train tout doucement de s'ouvrir à l'extérieur. On a eu quelques projets qui ont été menés par des gens qui étaient des particuliers, j'allais dire, qui passaient par là. Mais pour l'instant, pas tant que ça. Ça reste relativement compliqué pour nous d'accueillir du grand public massivement. Mais c'est une question à la fois liée aux locaux et à d'autres difficultés. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on veut faire, c'est par exemple d'accueillir des moments où on pourrait avoir des associations d'éducation populaire comme Planète Science, Les Petits Débrouillards, La Main à la Pâte ou d'autres, qui viendraient animer des ateliers pour le grand public. Ça, c'est quelque chose tout à fait qui est dans notre vocation.
Donc en fait, c'est une démarche aussi citoyenne, c'est l'idée que les citoyens puissent s'approprier les outils, s'approprier la connaissance et pouvoir finalement, encore une fois, je parlais d'avis éclairé depuis le début, mais c'est l'idée de se faire un avis éclairé et renseigné autour de, en tout cas, de la radioactivité. Oui, le projet Open Radiation, c'est la focalisation sur la radioactivité de la réappropriation par le citoyen des technologies. Aujourd'hui, on est entouré de smartphones, d'oreillettes Bluetooth, de tout un tas d'autres objets dont finalement les gens ne comprennent pas bien le fonctionnement. On a tous utilisé une voiture ou un scooter ou je ne sais quoi. Combien parmi nous sont capables de démonter un véhicule de A à Z et de le remonter, hein? Je crois que ça devient de plus en plus difficile. Nope. c'est même difficile au point où quelqu'un comme moi, qui suis ingénieur de formation et docteur en sciences, sur ma voiture, je ne peux pas changer une ampoule de phare parce que le constructeur a tout fait pour que ce ne soit pas possible. Ce qui est quand même incroyable. Donc en termes de frustration du citoyen ordinaire face à une technologie qui nous échappe, même moi, je suis coincé. Et c'est pour ça que le mouvement des Fab Labs est intéressant, parce qu'il permet de remettre la technologie dans les mains des citoyens. Ça permet de se la réapproprier, peut-être de la détourner, peut-être de faire du hacking, c'est-à-dire de tordre la technologie qui était prévue pour un certain usage pour en faire autre chose. Et c'est applicable aussi bien, effectivement, à la mesure de la radioactivité que à tout un tas d'autres domaines. Et j'aurais une petite question, parce que vous avez parlé du compteur Geiger, évidemment. Oui. C'est aussi la star de Godzilla. Hein. Ils sont tous là, oui, avec leur compteur Geiger pour essayer de repérer par où est passé ou où est Godzilla. Pourquoi ça s'appelle Geiger? Alors, c'est parce que c'est un instrument qui a été inventé par deux physiciens. Il y avait M. Geiger et M. Müller. Pourquoi on a pris compteur Geiger et pas Müller? Parce que quand on fait des abréviations en général, on oublie le deuxième. Alors, les vrais radioprotectionnistes disent GM. Directement. Ah. Bah comme ça, on pourra faire notre malin avec notre compteur Geiger fabriqué personnellement. On dira que c'est un compteur GM. Voilà. Et comme ça, on aura l'air d'expert. Exactement. C'est un petit peu l'idée. Mais avant de vous laisser, Christian, d'ailleurs, merci beaucoup déjà. Mais moi, je vous ai imposé Godzilla. Enfin, imposé. Visiblement, c'était pas une douleur. mais je vous demande à vous de me recommander un film de votre choix. Vous, Christian, le cinéphile. Alors, le choix est difficile. Il y a beaucoup de films. Il y a énormément de films. J'aurais bien choisi un autre film sur la radioactivité. Il y en a beaucoup. Ou un autre film de monstre. Que j'aime beaucoup, les films fantastiques. J'aime bien me faire peur aussi, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais c'est la catharsis. Le chimiste en moi, quand même, a une Madeleine de Proust, si j'ose dire. Un film que j'ai vu quand j'étais, je crois, même pas adolescent. Qui s'intitule L'homme au complet blanc. Alexander McKendrick. Oui. Avec Alec Guinness. Ah bah oui, bah donc avec Obi-Wan Kenobi. Dans le rôle d'un chimiste qui invente une fibre textile inusable, intachable, qui a toutes les qualités et qui pense pouvoir faire fortune en faisant un tissu... Parfait. Parfait. Alors je spoil pas la fin, évidemment, mais comme film de science-fiction, d'anticipation, je sais pas dans quelle catégorie le classer. Oh, l'anticipation, c'est de la science-fiction. Voilà, il me semble rassembler beaucoup d'éléments très intéressants de réflexion sur où est-ce qu'on va avec la technologie et qu'est-ce qu'on fait avec. En tout cas, merci beaucoup Christian Simon d'être venu nous donner des nouvelles du nucléaire et de la radioactivité. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.